안녕하세요. 저는 프랑스에서 온 마플로르라고 합니다. 2017년 판소리 공부하려고 한국에 왔어요. 반갑습니다. 반갑습니다. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as eu un coup de foudre pour le pansori? Oui, la première fois, c'était en 2015 au Centre culturel coréen à Paris. J'ai assisté à un workshop de pansori donné par mon professeur. Et pendant le workshop, elle a chanté. Voilà, et c'est là où j'ai vraiment découvert le pansori. Et à la base, en fait, tu aimais chanter ou pas? Sous la douche, comme tout le monde. Étant petit, j'ai beaucoup chanté avec ma mère. D'accord. Donc j'ai toujours aimé vraiment chanter. En fait, le pansori, c'est pas un genre en fait qui nous est très familier, mm-hmm. même pour nous les Coréens. Est-ce que tu peux nous dire en fait les trois aspects attractifs, on va dire, du pansori? Déjà en fait, le pansori pour moi c'est comme une c'est comme une pièce de théâtre en fait. Donc on est le principal, voilà, on est le principal acteur. Dans le pansori en fait, on exprime toutes les émotions et tous les sons qu'on a dans la nature. Le son du vent, le cri de l'oiseau, les pleurs de l'enfant. Il y a vraiment tous les sons et ça j'ai vraiment aimé. Toute petite, j'aurais bien aimé être aussi actrice, j'aimerais ça mais bon. Je veux dire, le milieu artistique dans la famille c'est pas très 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 très, très bien vu. Mais voilà, à travers le pansori, voilà, j'ai pu aussi jouer ce rôle-là et pouvoir donner de l'émotion aux gens, en fait. D'accord. C'est ça. Pour un concert de pansori, on a besoin de trois choses, en fait, vraiment importantes. Le chanteur, qui est le sorikun, le percussionniste, qui est le kosu, qui joue le soripu, et le public. Oh. Le kosu accompagne le sorikun. D'accord. L'accompagne. Et après, le public aussi est là pour encourager le chanteur, mm-hmm. à travers les tchimsés. C'est cette interaction en fait entre les trois que j'ai trouvé vraiment extraordinaire aussi. En t'entraînant au pansori, quel est le point le plus difficile pour toi? Quand on chante le pansori, il y a le truc qui s'appelle hasong, c'est le son bas en fait, très bas. Quand on fait un subte mori kushin hyong, il faut vraiment la vibration et ça marche pas encore pour moi. Ah, c'est vrai. Ça marche vraiment pas pour moi. Et quand on arrive à faire ce truc-là, le son il est très joli, la musique elle est beaucoup plus jolie. Mon professeur m'a dit, un jour comme ça va sortir tout seul et tu seras surprise. En fait, ta famille est contre? Au départ, bien sûr que la famille est contre. Bien sûr, la famille, les amis sont contre. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que moi, j'ai travaillé en fait. J'ai travaillé dans une grande entreprise. Ouais. Et voilà, j'avais un bon salaire, vraiment. J'avais mon studio. J'avais une vie assez stable en fait. Sauf le mari et les enfants. Les parents attendent. Quitter tout ça pour partir à l'étranger. Mm. J'étais jamais venue en Corée avant 2017. Dans un pays où je ne connais pas du tout la langue, je ne la comprends pas. Donc c'était un peu compliqué au départ de convaincre les amis. Il y a toujours quelques amis voilà, qui nous encouragent à faire ce qu'on veut. Mais la plupart des gens sont toujours contre. Ce que je peux comprendre parce que voilà, ils sont inquiets, c'est tout à fait normal. Oui, c'est vrai. Et après, c'est à nous de convaincre les gens que voilà, ça c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et moi, j'ai dit à ma mère... que en fait je venais juste pour un an. Tu savais que t'allais rester plus longtemps? Est-ce que je... Maman, désolée. Mais avec le temps, voilà, ils commencent voilà, à m'encourager. Je suis heureuse dans ce que je fais. Mm-hmm. Ils ont commencé à se rendre compte que voilà, oh, finalement elle s'en sort, elle aime bien ce qu'elle fait et tout. Elle est plus heureuse quand elle était à Paris, dans une grande entreprise et voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Chez Samsung, j'ai fait contrôle de gestion. Contrôle de son commercial. D'accord. Et en fait, c'est grâce à une amie, en fait, à Samsung, que j'ai découvert le centre culturel coréen. D'accord. Et que j'ai rencontré ma prof, voilà. Et cette amie, Bi, voilà, quand j'ai dit que j'allais venir pour apprendre la langue et travailler, elle m'a déconseillé, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire en Corée, tout ça, voilà. Pourtant, c'est grâce à elle, en fait, que j'ai... Tu as fait écouter le pansori à tes amis ou à ta famille au Cameroun? Oui. Franchement, j'ai eu la chance l'année dernière de pouvoir partir au Cameroun avec mon professeur. D'accord. Et avec deux autres élèves, en fait. On était invités à faire un concert à l'ambassade de Corée au Cameroun. C'était vraiment quelque chose que j'avais vraiment envie de faire, de pouvoir montrer à ma famille en fait ce que je fais en Corée. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Ils ont adoré. Ah, c'est vrai? Au départ, c'était un peu compliqué. J'avoue que la première chanson qu'on a fait... C'était laquelle? C'était Chit Pen Nore et c'était une langue. C'était Odia.
Donc c'était un peu lent, donc ils se sont dit, bon, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. C'était compliqué. Ouais. Et après, voilà, on a changé, on a chanté d'autres chansons, j'ai fait le Salanga en français aussi, oh. Ils comprenaient ce que je chantais. D'accord. J'ai une amie qui a chanté en coréen d'abord, d'accord, et après moi je l'ai chanté en français. Ouais. Et voilà, et mon professeur aussi, même si elle parle pas français et tout ça, elle a su mettre de l'ambiance en fait pendant le concert, et ça a vraiment changé. D'accord. J'étais plus stressée que le concert à l'Élysée, j'avoue. Ah, c'est vrai? Ah non, ça n'a rien à voir. Ah. En fait, devant nous, il y a une ministre camerounaise qui, à un moment donné, elle a fermé les yeux et elle écoutait juste le truc. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? En fait, parce qu'elle a vraiment adoré. Ma mère, elle a parlé avec mon professeur et tout ça, et elle était vraiment contente. Elle était vraiment très fière de moi, ce qu'elle m'a dit. J'étais heureuse. Ah là, à la fin, j'étais... soulagée. Hyper soulagée. Je me suis dit, waouh, enfin, elle comprend, en fait, elle comprend pourquoi j'aime ce truc, et elle continue à m'encourager pour ça. Elle m'a confié à mon professeur, maman, elle m'a dit, voilà, je confie mon enfant. Je dis, et ma famille à Paris aussi, ils m'ont vu chanter aussi, parce qu'on a fait concours de chant à Paris. D'accord. Donc ma famille en France, voilà, ils sont venus voir, et mes amis aussi ont vu des concerts qu'on a fait à Paris. Je pense que tu as dû beaucoup t'entraîner. C'est ça, pour arriver au niveau que tu as maintenant? Oui, je me suis entraînée, je continue à m'entraîner d'ailleurs. Mon professeur dit que même après 10 ans, en fait, il faudra que j'étudie pendant au moins 10 ans pour vraiment commencer à vraiment être le Sorikun, voilà. Là, ça fait combien de temps? 3 ans? Oui, ça fait bientôt 4 ans. 4 ans, ouais. Donc il te reste 6 ans. Bah, ce sera les 6 ans de l'université en fait, hein, jusqu'au master. Félicitations aussi pour ton admission à l'université de Rennes-Médion. Merci beaucoup. Oui. En fait, tu fais ta rentrée l'année prochaine? Oui, j'ai fait la rentrée en mars. D'accord. Franchement, j'ai un peu peur. Moi, je me dis, bon, si ça dépend de moi, voilà, c'est possible. Si ça dépend vraiment de mon travail et tout ça, je pense que je peux y arriver. Ouais. Donc là, j'ai acheté le livre de l'université en avance. D'accord. Que j'essaie de travailler. Oh, mon Dieu. Wow. Le coréen, qu'est-ce que c'est dur. Tu es poudirané. Tu veux continuer à vivre en Corée? Oui. Mmh. Bah, déjà, l'université, tout ça, ouais. J'ai dit à ma mère, j'ai dit à maman que voilà, c'était juste un an d'université. Encore, voilà. Donc, maman, regarde pas la vie. C'est voilà, un an et puis on verra la suite. Voilà. En fait, tu parles vraiment bien coréen. Je vais pas mentir, non. Si, elle parle vraiment bien. Tu parles vraiment bien. Tu as quel niveau? L'école et la réalité, c'est différent. Bien j'ai appris jusqu'au niveau 6, oh, d'accord. Mais dans la réalité, je pense que je suis au niveau 3, 4. Non, plus. Non, franchement, c'est vrai. J'ai parlé en coréen avec elle. La dernière fois, j'ai essayé le topic. Ouais. T'as pas réussi? Comment dire? T'es à quel niveau? Non, c'est un secret. C'est un secret. J'ai entendu que tu avais un nom coréen. Oui, j'ai un nom coréen qui a été donné par mon professeur, c'est Soyul. Soyul, Le nom de famille, c'est So et le prénom, c'est Yul. Ok. Je pense que, oui, Yul par rapport à la musique. Pourquoi So? So, parce que c'est So Soripan qui est mon professeur. Et c'est le même nom de famille que mon acteur préféré. Voilà. Est-ce qu'il y avait des points, en fait, des choses, en fait, que tu n'arrivais pas à comprendre dans la culture coréenne? En fait, ce qui est compliqué en Corée, c'est le relationnel est un peu compliqué. Je D'accord. trouve que c'est vraiment très, très compliqué. D'accord. Des nopinmal, voilà, le langage soutenu et tout ça, entre amis ou, voilà, dans le cercle pro, c'est un peu compliqué. D'accord. Même à Paris, en travaillant, quand je travaillais même chez Samsung, j'ai tutoyé mon responsable, ouais, qui était coréen. On se tutoyait, et mon responsable français, voilà, on se tutoyait aussi. Donc en fait, en Corée, ce qui est très compliqué pour moi, c'est de vraiment le comprendre, le côté relationnel. Parce que dès qu'on rencontre quelqu'un, c'est quel âge tu as? Et en fait, à partir du moment où tu réponds à cette question, ouais, la relation elle change totalement. Alors, maintenant, en fait, on va passer aux questions par rapport à tes ressentis à la culture coréenne. En fait, c'est un speed quiz. Ça va? Oui. Chumbi. Ton plat coréen préféré? Jjampu. C'est vrai? C'est le Jjampu. Oui. Un plat coréen que tu n'aimes pas? Ok. Ton proverbe préféré? Kosangte nalin. C'est quoi déjà? Kosangte. Nagi onda. Kosangte nagi onda. J'adore ce proverbe. Quel est ton mot préféré?
qui peut. Et quel est ton objet préféré? En Corée, je fais le poutché. Quelle est ta chanson préférée? Salon Jiomé de Kim Gwang-suk. Mon chanteur préféré en Corée, c'est Kim Gwang-suk, mais il est décédé. Oh. Hein, voilà. Ah. Mais c'est, pour moi, c'est l'un des best. Après, il y a Yang Hyun, j'adore aussi. Quel est ton lieu préféré? Jeonju. Quelle est ta célébrité coréenne préférée? Sojisob. C'est pas... Sojisob, ok. Quel est ton rêve, en fait? Qu'est-ce que tu veux faire à l'avenir, en fait? J'ai toujours voulu travailler avec les enfants. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé. D'accord. Une fois que je serai diplômée, j'espère pouvoir travailler avec les enfants qui, voilà, que ce soit les orphelins, vraiment tous les enfants qui ont des difficultés dans la vie et tout ça. D'accord. Parce que moi, j'ai toujours du mal à exprimer les sentiments, en fait. Vraiment à m'exprimer sur les trucs. Et à travers la musique, le pansori, je me suis rendu compte qu'en fait, j'arrivais à extérioriser mes sentiments à travers la musique. Et pour ces enfants, en fait, difficiles, voilà, qui ont du mal à communiquer et tout ça, je pourrais peut-être les aider à travers le pansori aussi, leur apprendre ça et leur dire que voilà, à travers ça aussi, voilà, même si tu ne veux pas parler, tu peux t'exprimer, tu peux évacuer en fait ce que tu as comme, comme douleur ou comme problème. Tu peux, voilà, donc c'est ça. En tout, ce serait vraiment... Et si je gagne beaucoup d'argent, voilà, construire un truc, que ce soit un orphelinat ou un truc comme ça, pour pouvoir travailler avec les enfants. On voit que tu es une bonne personne. On le ressent. Tu es en train de poursuivre ton rêve, en fait, ou peut-être même tu l'as réalisé. Quel conseil, en fait, tu pourrais donner aux jeunes qui sont un peu perdus et qui sont à la recherche de leur rêve, en fait? Quand on a un rêve, autour de nous, il y a toujours des gens qui vont nous dire non, qui vont essayer de décourager. Ces gens-là, ce n'est pas par méchanceté, vraiment. Je pense que c'est par inquiétude. Le plus important, c'est de ne pas avoir de regrets. Comme je dis toujours, de ne pas avoir de regrets. Essayer et échouer. Voilà, c'est déjà quelque chose. Après, à partir de ces expériences-là, on peut, voilà, ça peut nous aider à trouver autre chose. Mais si vous avez un rêve, franchement, il faut poursuivre. Tentez-le, comme on dit, il faut forcer son destin. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Hein. Franchement, c'est très gentil. Ça fait longtemps une interview en français. Comme ça, Mida. Comment ça, Mida? Kin pam tise ou. Alors le jeune maître prit Chunyan sur son dos et chanta ainsi. Iri unora opko nolja. Sarang, 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 ne sarang iya. Sarang, 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 ne sarang iji. Ne sarang iruda. Amedo ne saranga. Et toi, viens par là, grimpe sur mon dos. Amour, 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 oh toi mon amour. Amour, 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 c'est toi mon amour. Mon amour, c'est toi. Ah oui, mon amour, amour. 여기까지!